chien. Oui, la grande, elle doit être un petit peu. Quand il y a du billet. Milan, ça n'arrive pas tous les jours, Milan. Prochaine, je ne sais pas comment ça va. Oh, ça va savoir. On va regarder la bêtise. Maintenant, on est pas pressé. Monsieur le maire honoré, il faut s'installer là. Ah, tu veux être à Londres? Nous sommes ravis de vous voir. Prenez votre temps. Notre ancien maire, hein. Allez, on prend la corde. J'ai bien fait exprès pour moi. Bon. Bah écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir que de cette belle matinée, hein, je crois qu'on va avoir. On va pas avoir d'eau, hein. Enfin, je crois pas. C'est bon, ce qu'on m'a dit, ça devrait bien se passer. Monsieur Guédon, premier vice-président de la communauté de communes de Honfleur-Beuzeville, mesdames et messieurs les maires, j'ai vu même plusieurs maires, mesdames et messieurs les élus, madame la directrice de l'école, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis. Cela ne se voit pas, mais nous avons 1000 ans. J'espère qu'on... Hein, Albert, on a 1000 ans, mine de rien. Tout va bien. Là, tu l'es fait. Le site de la Côte de Grâce, qui surplombe l'entrée sud de l'estuaire, était habité depuis très longtemps. Monsieur Raymond Motin, ancien maire, a trouvé, lors d'un labour, une hache de chef en silex taillé et poli de la période paléolithique datant de moins 15 000 ans. Alors, je vous le fais voir, je vous la passe, mais vous la mettez pas par terre, parce que c'est du silex et ben, c'est fragile quand même, hein, quand 15 000 ans vous regarde. Nous, on ne sera pas comme ça. Donc, je vous la presse et puis vous la passez pour regarder. Voilà, Jacques. Oui, oui, tout à fait, il ne faut pas qu'elle s'en aille. À côté de la boulangerie, donc il y en a un malheureusement qui est attaqué par des champignons au collet là, à sa base, et donc ça met en péril son, bah, toute sa mécanique, il pourrait tomber avec une violente tempête. Mais peut-être que certains d'entre vous ont l'esprit d'un chêne, c'est-à-dire qu'on résiste jusqu'au bout, même avec plus qu'un seul organe, on résiste encore. Voilà l'esprit du chêne, donc pour l'instant pas de danger, mais quand même, comme il est dans un contexte urbain, voilà, on a pris les décisions de, pour votre sécurité avant tout, hein, de l'abattre, et surtout de l'offrir à la Mora, comme a dit monsieur le maire, à l'association en bas qui réalise...